accepter d'être propre des fois. Un truc de fou. Depuis qu'on l'a un tout petit peu nettoyé, la porte elle est fermée. Voilà, au moins tu le sais. Alors, t'as un tout petit peu nettoyé, t'es tout propre. Tu sens c'est bon. Tu sens bon. C'est bon. Voilà. Décale-toi pour voir. C'est bloqué, c'est à peu près bloqué. Ok. Il est propre, mais toujours absent. Non, les gars. C'est... Bref. Par contre, je continue pas si t'as pas le gant. Vite fait, juste il est allé chercher le gant. Et ne casse pas la malle, hein. Ouais. T'as un coup de loup? Ouais. Ça, mon gars. T'as les escortes et tout, ça vit. Je te jure, ça vit. C'est quand on a rendez-vous pour des lunettes? Bah, j'en sais rien. T'as le papier? Bah, oui. Bah, tu m'as dit. Qu'est-ce qu'on devait faire? Tu devais appeler qui d'abord? Bah, j'avais appelé ma curatelle. Et t'as dit quoi? Les polos. Ah, voilà, et ça, tu n'as pas dit. Si, je te l'avais. Mais dis-moi, ta curatelle, elle est jamais là. Ouais. Est-ce que ta curatelle a une curatelle? Ouais. Je t'avais dit. Mais il est con, quoi, je te parle. Ma curatelle, c'est ma curatelle. Y a pas de curatelle derrière. C'est bizarre, chaque fois qu'on a besoin d'aide, elle est pas là. Ok, donc. Ah, elle a pas de moi à s'occuper. Ah, parce qu'il y a d'autres mecs comme toi. Faudrait qu'elle me les présente. C'est pas possible. Je vais lui demander son fichier. Hein. Pourquoi il a appelé sa curatelle au fait? Parce que. Ça semble t'intéresser, toi. Je lui demande. Oui, parce que je lui ai pris rendez-vous pour les lunettes. Ça pour les yeux. Son ambition, c'est d'être plus intelligent. On l'a emmené chez l'ophtalmo. Le Sébastien, ouais. On est, j'ai pris rendez-vous chez l'ophtalmo. Il est allé. La CMU n'a pas passé. Ah. Ouais, et sa CMU elle passe plus. Et il a le papier pour faire les lunettes. Mais je voulais qu'on règle l'histoire de la CMU avant de faire les lunettes. Mais bon, c'est pas grave, on va aller faire les lunettes, écoute. Merci, j'ai une mauvaise. Merci. Il téléphone à la sécurité sociale. Directement. Il l'a tué, sa curatelle. C'est vrai. Ça se peut, à mon avis, il a Alzheimer et il a oublié qu'il l'a enfermé dans la cave. Non, mais par contre, le vrai truc, vrai bail, il m'avait dit qu'elle était fraîche, sa curatelle. Ah ouais? Après, je te montre pas. Il m'a même dit qu'il avait essayé de la drogue une fois. Non. T'as jamais essayé? Non. Non, mais frère, tu peux pas te fier à fraîche de lui. Si. Il m'a dit que c'était. Il sait pas ce que c'est. Elle est belle. Madison, comment? Pour lui, elle est fraîche. Non. Si, chacun ses goûts et ses couleurs. Non, une note sur 10, Madison, en beauté. 6. Et la curatelle? 8. Ça vole pas haut. C'est pas une bombe, quoi. C'est pas. Ça. Ouais, c'est vrai, JP. Merci Ginouévé pour les. C'est ce qu'il doit faire. Il doit faire quoi? Contacter la sécurité sociale. Ouais. Ah, on va s'en occuper. Ginouévé, le frère. Là, il a porte-monnaie illimitée, le poteau. Ouais, je voulais juste remettre les choses dans le contexte. C'est un Suisse, il fait du foot. Voilà, je balance. JP! Quoi? Je veux pas les mots là! Ouais, bah j'ai rien à foutre. On rigole, mais on vous aime quand même, les deux prototypes. Parle de vous, il vous aime. Ouais, les deux prototypes, merci. Non, toi t'es fini, toi. Ah, ok. Toi, je veux repartir sur le même. JP, c'est une. Pute. Une grosse. Oh, il a rien. Non, fait, je fais rien. Hey, la confiance, full confiance, mon frère. Et toi, homme. Tu dis ce qu'il y a à dire, frère, y'a rien. Je crois que t'as oublié d'où tu viens. Et toi, n'oublie pas que t'es la voix du peuple. Si t'es ici, c'est grâce au peuple. T'as été élu par le peuple. N'oublie pas, t'es venu pourquoi? Pour lui régler son compte. Ça, tu l'as trop oublié. Parce qu'il manquait trop de respect à la communauté. T'as oublié? Ton combat était noble. Comment t'as fait à devenir un mec qui va aux escortes tous les jours? T'étais pas un mec qui est venu avec un combat noble de base? C'est pas toi qui étais là pour la communauté? Si. Parce qu'il manquait trop de respect à la communauté? Mm-hmm. Et maintenant c'est toi qui manque de respect? Donc JP c'est une? Pute. Ouais. Y a pas la conviction, ça fait. JP c'est une? Pute. Enlève ton doigt. Dis-le comme un homme. Là, regarde, je t'ai pas frappé, je t'ai prévenu. Vas-y. Dis la phrase entière. JP, c'est une. Non, JP, c'est une. Quoi? Je veux pas les mots là! Ouais, t'as rien à foutre. Attends. Brochette de chien? Non, ce n'est pas des brochettes de chien. C'est des brochettes. La mère de ta grand-mère, de ta soeur, de ta petite soeur. On va partager. Vas-y. J'aime beaucoup. Droit dans les yeux, tu le regardes. Ah, non, attends, le coup doux. Laisse, t'inquiète. Droit dans les yeux. Arrête de te toucher le visage. Oh putain, t'as peur de lui? Si t'as peur, dis-le maintenant et on arrête. T'as peur de JP? Non. T'as pas peur? Ça fait, j'ai besoin de quelque chose. Pour voir sa réaction. Tu peux te lever, non, ma parole, et te mettre au fond dans le mur.
Non, non, mais t'as pas le droit de venir, tu peux pas venir, regarde comme il est loin. T'es là, il peut pas te mettre de coups de gants ou quoi que ce soit. Ah, j'ai mal. J'ai PC une. Pute. JP. Bah si moi je suis une pute, toi t'as les reines des putes. Ah, t'as vu là, je lui ai rien demandé. C'est-à-dire que là c'est sorti du cœur, lui. JP, il a. Ah, il fait le bonhomme, il fait le bonhomme. Je suis pas le bonhomme. Mais c'est vrai que la répartie elle est incroyable. Si toi, si moi je suis une pute, toi t'es la reine des putes. Quelque chose à répondre à ça? Mais il est frère, il est loin mort, il va rien te faire, Koutou, arrête un peu. Tu jures, ça fait, tu fais rien. La tête de loin, il va rien faire. T'as fait un pas, ses yeux sont faits comme ça. Frère, là, je te jure, il va pas te chier. Arrête un peu. Mais tu crois quoi qu'il va te tuer? Il va t'égorger, tu regardes. Au pire des gars, il te met un coup, tu te lèves et tu lui regardes sa jambe. Tu lui casses la jambe comme tout à l'heure. Y'a aucun problème. Non, ça finit rien, pas de coup. Moi, je veux juste. C'est toi qui as gagné le combat, on est d'accord? Ouais. C'est-à-dire que. T'as fait deux combats de victoire. Ouais. Barbara, JP. Ouais. Lui, il a fait. Deux combats, deux défaites. Oui, contre l'un et contre moi. Ouais, ça veut dire que toi, tu dois être dans une, je sais pas comment tu dois être dans une confiance en tant que combattant au bout de deux victoires. T'es sûr de toi, tu vois ce que je veux dire? Quand tu mets de la haine, t'arrives toujours à gagner. Tu vois ce que je veux dire? Quand il n'y a pas de haine, t'es un peu une petite folle. On va pas se mentir. Il va rien faire. T'inquiète. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi tu te sens pas en confiance comme lui il se sent en confiance alors qu'il a deux défaites à son actif? J'en sais rien. C'est quoi? C'est un manque de couilles? Non. Ok. Donc si je te dis JP, c'est quoi? Une merde. J'aime bien. Parce que c'est naturel, ça sort du cœur. Tu vois, pute, c'est un. Non, il va rien faire. Pute, c'était un peu trop. Ouais. Pute, non, il y aura pas de sparring, les gars. Il y aura pas de sparring. Je vous le dis tout de suite, il y aura pas de sparring. Il y a le truc du MMA qui arrive, ça fait une... Pose-lui les questions, c'est le moment maintenant, Ok, la mère de JP c'est une. La perte de la mère de JP c'est une, regarde la caméra. Je te jure, si tu réponds, il va pas tuer. La mère de JP c'est une. Une personne bien. Oh, t'arrête. Voilà. Le chaos. Putain, mais toi t'as le droit de me frapper, toi. Arrête. C'est bien aimé, coup de pression, t'as compris, j'ai mis un coup de pression. Tu réponds aux questions. Arrête. JP. Mais quoi? La mère de Koudou, c'est une. Attention, JP. Attention, tu vas passer une soirée. Alors, ce qu'on m'a dit à chaque fois. Mais ce qu'on m'a dit. Tu vas passer une soirée terrible, JP. Tu vas passer une soirée terrible. Ce que j'ai connu, ce qu'on m'a dit. Ouais. Apparemment, ça serait une chaudasse. Ce qu'on m'a dit, hein. J'ai pas été voir. T'as vu Koudou? Dans la vie, t'es trop gentil là. Et c'est, je préfère le Koudou qui vit dans la haine. Parce que le Koudou qui vit dans la haine, il aurait jamais pris un coup de sa fille. Parce qu'il aurait tellement de haine que sa fille l'aurait respecté cette haine. Non, mais arrête de. Il aurait respecté cette haine. Arrête, c'est pas sa fille. Sa fille ne l'aurait pas frappé s'il aurait gardé cette haine. Oui, je sais. Donc sa fille, c'est pas raciste, toi, c'est pas grave. Non, repose-lui la question. Non, arrête. Koudou. Koudou. Écoute, t'as entendu ce qu'il a dit, JP? Arrête. Non, arrête. Juste arrête. Venez en arrière. Arrête. Y'a personne qui va toucher Koudou. Koudou, frère. C'est solide, normal, naturel. Koudou. Je vais te reposer une question, je suis là, y'a personne, lui il va rien faire, frère. Je le pousse, il tombe dans cette pièce. Grosse te pute. Non. Là. Ce qui t'a créé, cette haine qui t'animait, tu montais sur Discord, frérot. T'es là, tu mettais la cam. Ça sortait des cuts. Je sais même plus ce que ça voulait faire. Ça mettait des patates dans le mur. Ça faisait des pompes à gogo. Eh les gars, vous voulez que je vous montre? Ça faisait des pompes. Il est passé où, bad boy? Tous les jours, ça faisait des pompes. Tous les jours, ça m'appelait. Ça fumait avec une dégaine un peu de caïd, anarchiste. Tu vois ce que je veux dire? T'étais un anarchiste. T'étais là. Tu voulais toujours en découdre. Frérot, tu m'appelais. Tu me disais, regarde. Tu mettais la cape, bois. Tu mettais des pastèques dans le mur. T'es passé où? Il est passé où? Tu vois ce que je veux dire? Là, il vient de dire que ta mère, c'est une chaudasse. On lui a rien dit. Il a dit que t'étais la reine des putes, on a rien dit. Si ma mère c'est une chaudasse, sa mère c'est. Oui, je sais pas. C'était très bien commencé. Là je retrouvais le coup doux de Chalon.
Si ta mère c'est une chaudasse, sa mère c'est. Laisse-toi aller, c'est une fois, il va rien faire, je suis là. Frère, y'a personne qui va toucher, t'as ma parole. Je veux que ça sorte du cœur. Tu laisses ta mère se faire insulter de chaudasse sur internet par Jean Parmanov. Le Koudou de l'époque, il aurait jamais laissé passer ça. Et la commu, vous le savez, c'est pour ça qu'il n'y a plus de team Koudou. La team Koudou, c'était tous les gens qui détestaient JP, ils étaient avec toi, c'est la team Koudou. Bah, si ma mère c'est une chaudasse, sa mère c'est la pire des catins. Voilà. Voilà. Attends, on va faire un truc. On va faire quoi? On va faire un truc, on va voir. T'appelles ta mère, c'est trop gênant. Tu fais le répéter. Vas-y, bah vas-y, appelle-la. Mais la tête de homme, je crois quoi? Mais c'est un malade ou quoi lui? Vas-y, appelle, je lui appelle s'il te plaît. T'as là, il essaie de te mettre. Ouais, bah, le mec, t'as pas de couilles. S'il moi, je suis content, je vous dis appelle. Visage avec des larmes de joie, vous êtes. Merci, merci, merci pour les 15 euros. Tu vois, là, c'est le coup d'eau de chien. Le coup d'eau anarchiste. Quoi? C'est ce que j'aime. Et quand t'es un anarchiste, la personne qui va te toucher. Koudou Prime. La team Koudou, pourquoi à l'époque il y avait une team Koudou? Ouais, team Koudou, ouais, JP, mets-lui bien la misère, mets-lui bien la pâté. C'est parce qu'ils aimaient ça. Réponds-lui. T'inquiète. Attends. Non, okay. Réponds maintenant. Vas-y, bah c'est quoi ta réponse toi? Si ta mère c'est la reine, sa mère c'est la reine des je sais pas quoi, ta mère c'est une catin. Qu'est-ce que t'as à lui répondre à ça? Laisse pas le regard. C'est quoi ce blanc? Je sais même pas. Mais bon. Toi aussi, ça y est? Non, je suis pas perdant. Je m'en bats les couilles. C'est différent. Oh, ça c'est de la phrase qui fait froid dans le dos. J'ai pas peur et ça c'est différent. T'as si lui qui a peur alors? Je veux pas les mots là! Là il est en train de dire que t'as peur quand même. Koudou faudrait qu'il retourne dans la chatte à sa mère récupérer ses couilles. Il a dû les oublier là-bas. C'est la chatte à ta mère, tu les oublies. Voilà, pourquoi tu parles pas comme ça à JP quand là il vient de dire que t'as parce peur qu'il a peur. Parce que là à travers l'écran le mec il peut venir, mais t'as pas compris, si je te dis qu'il peut rien faire, il va rien faire. Et même s'il se passe quelque chose, t'es un bonhomme. Il a peur. Là autour. Tu dis non les gars, moi c'est pas ça. C'est juste que moi ce que je suis en train de. Je vois qu'il y a un truc qui. Il a perdu sa flamme. Frérot, vous vous rappelez à l'époque, à chaque fois il voulait prouver, toutes les deux secondes, il nous faisait des pompes. Dans la nuit, il passait où ce Koudou? Demain on va à la salle, moi je vais pas amener un petit à la salle. Moi je veux qu'à côté c'est un mec qui a des couilles. Même si tu lui insultes sa grand-mère la pute maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Rien. Donc si t'as des trucs sur le cœur à lui dire. Mais j'ai rien à lui dire, je m'en bats les couilles. T'en bats les couilles de sa vie? J'en ai rien à faire. Lui c'est lui, moi c'est moi. Moi j'en ai rien à faire. Tu parles tout seul là, ouais. Ah, et pas. Qu'est-ce qu'il y a ça? C'est une perte de temps. Y'a plus de couilles dans cet homme. Y'a plus rien. Regarde comment il fait le malin. Il se fait le malin, je vois. Je suis sur mon truc, sur le truc là. Je m'en bats les couilles. Sur le truc. Bah quoi? C'est vrai que t'es à l'époque, tu te chies dessus de lui. Maintenant c'est toi qui as le dessus. Putain. Mais bon, je reste quand même sur la dernière phrase de Koudou, ta mère c'est une catin. C'est tout. Et tu disais Koudou, t'allais dire un truc, frérot. Je suis une pute. Quoi? Il a dit je suis une pute. Attends, j'ai rien, vous l'avez dit je suis une pute. Mais non, j'ai pas dit ça. Tu viens de t'insulter de pute? Mais... Là, vous l'avez entendu? Ça m'étonne même pas. Mais n'importe quoi. Mais t'as dit quoi alors? Mais j'ai rien dit. Mais la tête de homme, il a dit je suis une pute. Mais n'importe quoi. Vous êtes en couple? Non. Les deux relations. Ça arrive quoi? Ouais. Non, mais lui solide, hein. Attends, ouais. Lui solide. Pourquoi? T'es solide? Lui, il a dit les termes. Lui, il a dit les termes. T'es solide? Il a regardé dans les yeux, il a dit, me fais pas peur. Je pose la question à lui. T'es solide? Je suis normal, naturel. C'est quoi cette réponse? Je suis normal, naturel, quoi? Il y a quoi solide? Pourquoi je parle avec lui, moi aussi? Bah quoi? Tu me demandes. Je dis simplement. Quand t'es solide, tu dis non, je suis normal. Bah, je suis flasque. Je suis étal solide. Je suis liquide. Ouais, je suis un peu des deux, je suis un peu Je suis un peu liquide, je suis. Non. JP! Quoi? Y'a un truc, j'ai un truc. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Koudou, je t'ai toujours soutenu depuis le début, mais tu es devenu une victime. Le Koudou de Chalon me manque trop, je vais recommencer à te soutenir quand tu reviendras toi-même. Y'a un mec, il a dit, je sais reconnaître deux mecs qui se sont vus tout nus. Vous êtes en couple, la vérité. Réel.
T'es déjà allé chez JP? J'en suis sûr, il fait même plus 20 pompes, frère, comme à l'époque. T'es déjà allé chez JP? Sûrement que... Ouais, j'ai déjà été. Ah ouais? Bah, quand il y a pas de baignoire. C'est bon, je viens de comprendre. T'es allé prendre la douche chez JP? JP, il était là? Ouais. Dans la douche, hein? C'est là que ça a flanché. C'est ce jour-là. Du coup, tu disais... Tout s'explique. Je te vois même plus faire des pompes et tout, mais tu les fais même plus les 20 pompes, arrête de faire le caillou. Vas-y. Vas-y. 2, 3, 4, 5. Quoi? Je veux pas aller là. Ouais, bah, autoriser le coteau à boire de la bière avant les livres. Il va peut-être retrouver ses couilles. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 30, respire, 34, 35, 36, 37, 38, 39. C'est des waves. 40. Ok. Tout ça pour avoir pas de couilles. Attends, attends, attends. Je veux pas les mots là. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Attends. Allez, Koudouk, c'est quoi ce te piège? Tu n'as plus de couilles. Ok, donc. Déjà, elles sont mal faites comparées à avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est en vague, c'est pas propre. Mais c'est fait. T'en as fait 40. Je te trouve beaucoup plus essoufflé qu'avant. Tu sens que tu ressens que t'as moins de force qu'avant? 40 waves. Déjà, je diminue déjà la cigarette. Non, mais avant, tu fumais aussi, ça n'a pas de raison, frère. 40 waves, c'est à peu près 5 pompes. Ok. Il a nagé. Non, mais c'est bien. C'est bien. Mais maintenant, s'il te plaît, Koudou, regarde-moi dans les yeux. Fais des abdos. Tu regardes le ciel? Tu regardes quoi là? On regarde le culotte. Il est passé où le mec qui avait plein de confiance en lui? Safine, c'en est où avec la meuf que tu as trouvée pour JP la fleuriste? J'analyse. C'était une blague qu'elle faisait avec son mec. Ouais. Deux. Lorraine. Ouais, c'est une dinguerie ça par contre. Moi, je pense savoir ce qui a tué Koudou. Soit ils ont fait l'amour le jour où ils étaient allés faire la douche. Mais n'importe quoi. Ou alors, c'est depuis qu'il a commencé à fréquenter les escorts. Moi, je pense. Qu'avant qu'il vienne à Chalon, enfin qu'il vienne à Nice, il était à Chalon, on est d'accord. Et qu'à Chalon, il n'y avait personne autour de lui pour le surveiller et qu'il prenait des rails de coque. Non. Et là, il est en pleine redescente. Tu sais pourquoi? Quoi? Parce que pendant quelques instants, on a eu le retour de Koudou Prime pendant le Chain Together. Tu te rappelles le jour où il a mis un gros coup de pression à JP? Est-ce que tu te rappelles? Oui, mais là, c'est la coque qui était enfuie dans le corps, elle est remontée sur le coup des nerfs. Non, non, je me rappelle que pendant quelques minutes, on avait eu le droit à Koto Prime, la tête de Wham. Et je sais pas si tu te rappelles, Koudou, pendant le TNN Together, t'as mis un gros coup de pression à JP. Tu te rappelles ou pas? Tu te rappelles ou pas? Hein? Parce que j'étais énervé. Ah, mais avant t'étais pas énervé, pourtant tu. Ça fait 8 jours, il respire. T'étais. Ça va? T'étais là quoi. T'étais là. En tout cas, JP, rien à dire. Rien à dire. Toi, tu le dis devant la caméra, t'as pas peur de lui, sa mère c'est une pute. Toi t'es. Voilà, c'est une chaudasse, c'est ça? C'est une chaudasse, t'as dit? Chaudasse? Ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est le mot que ça a employé? Faut réveiller la haine, mais y a personne pour la malaxer. Ok, à qui? Non, Koudou? Non, justement, moi j'aimerais qu'on le laisse dire que sa haine, tu vois, c'est normal quoi. JP, dis les termes sur Nicole, s'il te plaît, prouve à toute la commu que tu as des couilles, ce coteau répile à trop. Il n'y a rien à prouver à la commu, je vais prendre normal. Que t'as des couilles. Non, t'as tout à prouver à la communauté. Bien évidemment que c'est comme lui. Faut réveiller la haine et ensuite la malaxer. Faut réveiller la haine, elle viendra pas tout seul. Quand tu te regardes comme ça, tu as pas la haine d'être laid. Mais je t'emmerde. Non, pas ça. C'est pas comme ça qu'il va retrouver sa pleine énergie, sa pleine puissance. Je pense que. Si. Non. Qu'est-ce que je pourrais faire? Moi, JP, il y a un truc qui me dépasse. De quoi? JP, il t'a chié dessus à plusieurs reprises, Koudou. L'histoire de Nina. Rien que l'histoire de Nina, c'est une dinguerie. Un mec qui te fait ça. C'est quoi? T'appelles ça comment le coup qu'il t'a fait? Un coup de pute. Donc Koudou. Bien une pute. J'ai rien dit. Les hommes. Koudou, je suis à côté de toi. Les hommes. Je suis là. Ouais,
Mais ah. Non, mais t'inquiète, je sais pas. Je sais que t'as peur de lui, t'inquiète, je sais pas. Ne t'en fais pas, il va Jupé. Rien te faire. Quoi? Non, mais t'inquiète, je sais pas. Bon, t'inquiète. Goufiston, je suis McDonald's, ils m'ont arnaqué ces enfoirés. J'étais en train de commander mon menu. Bonjour, police nationale. Le manager nous a signalé que vous avez eu un comportement inadéquat. Rien à savoir un peu plus. Écoutez, monsieur l'agent, on m'a arnaqué dans le menu enfant, il n'y a pas d'enfant. Alors, c'est ton père, sympa. Ouais, mais bon, ah, c'est rigolo. Ah, ça va, c'est drôle. Là, il y a du génie. Là, il y a du génie. Dans, voilà, dans c'est ce recherché, c'est retrouvé. Voilà, c'est drôle. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, vas-y, t'inquiète. Je te jure, je me mets au milieu, je laisse pas te taper. Truc. Mais non, mais je sais que tu as peur de lui, je sais que tu es une salope, tu ne t'en fais pas. Qu'il a dit. Non, mais ça parle pas depuis d'habitude. Je suis en train de travailler là. Ouais, tu travailles. Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi? Ça me fait rire quand mon père est. Mais non, j'ai même pas dit ça, alors maintenant ferme ta gueule, c'est bon. Vous êtes là en train de casser les couilles. Bref, vas-y, t'inquiète, je me mets au milieu, je ne laisserai pas te toucher. Il dit qu'en gros, j'ai pas besoin d'avoir de haine. Mais tu as peur. Mais c'est pour ça que je suis là pour te protéger. Quoi? Je veux pas aller là. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Owen, si mes souvenirs sont bons, la première fois qu'ils se sont vus JP à traiter Koudou d'handicapé, vous vous êtes mis à 4 pour l'arrêter. Maintenant, ça traite sa mère de pute. Il dit merci, Koudou PD. Ah, mais même, il n'y a plus rien qui fait aucun effet. Je veux pas aller là. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Les gars, réveillez-vous entre-temps, il a fait des recherches sur des escortes trans et il a sucé un god, il est finito, y'a plus de cool, y'a plus de team Koudou, il est là pour payer des escortes, c'est tout. Kipé! Quoi? Je veux pas les mots là! Ouais, bah j'ai rien à foutre. Safine, toute la commu te supplie, tu es le seul capable de réveiller cette haine qui est enfouie dans leur rectum, nous plaquons tous nos espoirs en toi, cela il fait qu'il soit magique. Tiens, vas-y, réponds-lui. Il a dit que t'étais une grosse pute. Et t'as pas à paniquer ou à. Moi, je veux que tu dises. Moi, je veux que ça soit. T'inquiète, t'inquiète. Moi, je veux que tu dises les termes. Je veux que ça vienne du cœur. Tu vois ce que je veux dire? Je sais qu'il y a des trucs que tu sais, tu vois, que tu. Au fond de toi. Mais au fond de moi, j'y rien. C'est-à-dire que. Putain, mais pourquoi quand t'es. Quand... Pourquoi quand il n'y a pas de caméra, il est pas là, tu te fous de sa gueule. Tu veux que. Putain, mais j'ai hâte que les vlogs ils sortent. Quand tu lui piques Nina et tu lui dis c'est une grosse merde, JP, c'est une grosse merde, t'es une chienne. Pourquoi là tu. Pourquoi là non? Hein? Regarde, je vais te poser une question. Est-ce que pendant le vlog, quand tu lui volais Nina, t'as insulté JP dans son dos, oui ou non? Parce que je suis même plus. Putain, JP, je sais maintenant, pas ce que tu maintenant m'as fait. Que toi t'as. Non, mais je pense que JP il lui a fait quelque maintenant chose. Maintenant que t'as l'ascendant et tu sais que t'es au-dessus de cette merde, dis-lui ce que t'as à lui dire. Il t'arrivera rien. Carrément, je sais que je vais même pas bouger, je sais que tu lui arraches la tête. JP, je bouge même pas de ma place. Ouais, bon, pardon. Je veux pas les mots là. Ouais, rien à foutre. Voilà, c'est le retour de Koudou, alias Koudou de Mouille. Mais s'il te plaît, fais honneur, s'il te plaît. Vas-y, dis. Fais honneur de quoi, frère? Il te chie. T'inquiète. Tout à l'heure, tu dis rien. C'est moi qui te défends. JP, quoi? Je veux pas les mots là! Ouais, bah j'ai rien à foutre! Koudou est une salope et je vais vous le prouver. Sa haine se réveille en présence d'une meuf ou quand il y a un écran pour séparer. La salope originelle quoi? C'est faux! Plusieurs fois il s'est levé, il a mis des patates à JP, il n'y avait pas d'écran pour le séparer ou quoi que ça. Je pense pas que ce soit une question de ça. Je pense pas que ce soit. C'est rigole, moi je pense pas que ce soit une question de ça. Moi j'ai confiance en Koudou. Bon, s'il te plaît. JP, frère, tu lui arraches la tête, je le sais très bien. Je vais même pas bouger de ma place, je sais que tu le coupes en deux. Dis-lui ce que t'as à lui dire. Bah, déjà, ce qu'il a fait avec Nino, ça le fait pas. Parce que. Vas-y, développe. Parce que tu savais très bien mes sentiments. Parce que je l'ai dit en live. Normal. T'es un être humain. Tu parles un peu comme une salope. Non, ça se fait pas. Ça monte crescendo. Ça se fait pas, mon frère, ça se fait pas. JP se sert ton handicap pour se sentir valorisé et plus. Non, je ne valorise personne, tu vois. C'est une personne à mobilité réduite aussi. Alors envoie un coco pour impressionner. Il est en train de développer, frère. Je peux me permettre? Bah vas-y. C'est une petite pute aussi. Vas-y. Quand il était pas là. Est-ce que moi je l'insulte? Non, c'est entre eux deux. Non, mais quand il était pas là, quand il était au restaurant avec Nina, il avait pas ses propos. Ça se fait pas, il disait pas, ça se fait pas. D'accord, c'est en train de monter, c'est en train de monter crescendo. Ah mais voilà, parce que lui aussi il a son petit côté Tana des Tana. Dis les termes. Dis les termes, tu as peur de lui? Peur, je sais que tu n'as pas peur de lui. Mais lui non plus, il a peur de toi. C'est une grosse salope, il a peur de toi. Dis-lui les termes. T'as vu tout ce que t'as dit quand il était pas là, répète-lui maintenant. Allez, t'as pas peur de lui, on est d'accord? J'ai pas peur. Merci. Voilà.
Donc vas-y, tu disais, est-ce que tu disais ouais c'est pas bien ce qu'il m'a fait, tu disais pas ça, répète ce que tu disais quand elle était pas là, quand elle était au restaurant, tu disais quoi, t'avais pas la même haine, j'étais en train de te tenir, tu te levais et tout, tu voulais faire quoi? JP, t'as peur de lui? Non. Dis-lui. Moi j'ai pas peur de lui. Tu aimes trop le couteau. Non, ça c'est quoi? Et alors, parce que moi je sais le potentiel, la haine qu'il y a en lui. Écoute, tu vas mettre tout le monde d'accord, surtout lui. Surtout lui. Parce que lui, il pense que tu fais la salope, parce que tu l'insultes derrière la caméra. Parce que tu l'avais insulté derrière la caméra quand tu avais appris qu'il était parti avec Nina. Tu répètes exactement les mêmes mots que tu as sortis quand il était avec Nina. Vas-y. Devant Owen, c'est pas grave, invente des nouveaux. Je sais même plus les mots qui sont sortis. Frère, je sais ce que tu dis tout le temps. Du savoir, tu vois, c'est une grosse pute. Ouais, droit dans les yeux à lui, pas à moi. Une grosse pute. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi pourquoi elle aussi elle a la voix tremble. La voix tremble. Toi, tu me regardes pas. La tête de homme, la voix tremble. La tête de homme que la voix tremble. C'est bon? La tête de homme que la voix elle a tremblé. C'est bon? Ça veut dire qu'il se chie dessus. Mais je m'en bats les couilles. Mais tu dis ça honnêtement, je veux dire. Impossible, tu le regardes dans les yeux et tu lui dis ça. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Honnêtement, pour moi t'es rien. T'es une perte, t'es une merde. Tu ne feras jamais rien de ta vie. S'il vous plaît, on s'ennuie là. Niquez vos mères, j'y vais. Comme ça, pas autrement. Du moment que t'avais Madison. Je t'ai dit, je suis content pour toi, t'as quelqu'un dans ta vie, je suis content. T'as fait tout le contraire. Mais tant mieux, c'est toi. Reste dans le hard. Je m'en bats les couilles. Maintenant, on dira bonjour, bonsoir, au revoir, c'est tout. Et nique tes morts, rajoute. Voilà, c'est tout. Rajoute, rajoute. Le fait que tu me rabaisses derrière mon dos, j'ai pas encore vu, j'ai pas encore entendu. C'est pour ça que je dis rien. Insulte-le. Je dis rien. Mais le jour que j'entends et que je vois. Tu vas faire quoi? Tu pourras te courir très vite. Passe-moi mon téléphone. Mais je vais trouver la vidéo tout de suite. Il pourra courir très vite, tu vas rien faire du tout. Du coup, le mec qui a pas de couilles, t'as quoi à répondre à JP? T'inquiète, je te protège, il va pas te toucher, vas-y. Ah ouais, à ce point-là, quand même, c'est... C'est chaud. Non, c'est bien, mais ça manque d'insultes. Ouais, j'ai pas envie d'insulter. T'as peur de pute, ça. Non, mais c'est pour éviter la voclope. Et tu penses qu'il a une chance avec Nina? Non. Aucune. Non. Sur, vu que... C'est un pourcentage de 100%, tu es de... Ou une échelle de 1 à 10. De 1 à 10? Ouais. 0,5. Alors, tu imagines que là, il est en train de parler avec Nina, il est en train de te la voler, il est en train de se foutre de ta gueule, il dit que t'as 0,5% de chance de te mettre en couple avec elle. Et il rigole. On laisse un petit pourcentage. On laisse un petit pourcentage. Mais attends, mais c'est quoi? Pourquoi il n'arrive pas à trouver Nina? Explique-nous, tout à l'heure tu m'as expliqué. Dis-moi les raisons. Maman, il était bien gluant. Bien jaune. Ouais. Explique-nous les raisons. Pourquoi il trouve pas de nana? Parce que, comme j'avais déjà dit, il se trouve une femme dans ses âges, c'est-à-dire, facile, 35, 36 ans. Là, il est clairement en train de dire que t'as un point. Tu trouves pas des femmes de ton âge. Déjà, premièrement, Attends, je vais trouver le moment. Je vais trouver le moment où il t'insulte. Il veut des femmes qui sont belles alors qu'il les laisse à mort. Alors, déjà, ça, c'est le max. Merci pour ce que j'ai dit. Merci. Tu coupes pas avant. C'est total. C'est chaud la paire de couilles. La paire de couilles, elle est monumentale. Il se foutait bien de ta gueule, ok? Il se foutait bien de ta gueule, moi, dans la voiture, quand on parlait de l'histoire de Madjan et Nina, lui, il était au milieu alors qu'il était en train de parler avec elle et tout. Donc, voilà, moi, quand il me tire la langue comme ça, je dis, JP, ne le dites pas, JP, bon, bon, bon. Pourquoi il me le dit pas, JP? JP! Quoi? Je veux pas les mots, là! Ouais, bah, j'ai rien à foutre. Les mecs, ça sert à rien. Les deux, c'est des putains de PNJ. Faites le concept cul rouge ou tête rouge. Vous faites monter des gens en radio libre et ils choisissent si soit ils se prennent une balle dans le cul ou alors de la peinture rouge dans la gueule. Alors? J'ai posé une question. Hein. Mais il te parle, frère! Je sais pas, je vais lui poser la question. Pourquoi, pourquoi ne le dis pas à JP? T'as tellement peur de lui que tu veux même pas parler de lui et pas le regarder? JP! Quoi? Je veux pas les mots là! Ouais, bah j'ai rien à foutre! Bon, j'aurai jamais la réponse, c'est pas grave. Jackie, laisse-moi sortir s'il te plaît, Jackie. Je veux juste sortir de la cave s'il te plaît.
Putain. Mais fouille pas, Je suis d'accord à virer Koudou de ton entreprise. Voilà. Voilà. Par contre, quand ça parle d'escorte, quand ça parle de trucs, tu viens, t'es motivé, dès que ça parle de meuf. À chaque fois que je te vois motivé, c'est quand ça parle de meuf. Tu viens me voir. Oh, regarde, j'ai rencontré une nouvelle meuf. Elle habite pas loin, la nuit, t'as le sourire jusque-là. Ouais. Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Tout à l'heure, quand t'as l'escorte, t'étais en bombe. Limite, tu partais en sautillant. T'étais là, boum, 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 boum. C'est ton entreprise, hein. Tu peux virer, tu peux déchirer là, comme ça la feuille et il retourne la chaleur en champagne. Je dois répéter ce que je viens de dire ou t'as très bien compris ? Non, j'ai bien très bien compris. D'accord. J'ai très bien compris. Tu comptes le virer ? Moi j'ai. Quoi ? Je veux pas les mots là ! Ouais, bah t'as rien à foutre. Là, je pense que j'ai besoin de revenir à Metz, à Montigny, à ton cousin Yacine, il veut t'enculer à Saint-Ex. Viens, Koudou. Moi... Bah, je vais dire à Koudou de te virer alors. Ah, vas-y, je pense que j'ai besoin d'avoir une discussion avec lui là. Je pense qu'il est trop. Je sais pas ce qui se passe. Koudou, il a envie. Ah, il a envie, mais. De quoi que j'ai envie ? Non, t'as envie, T'es vivant ? Bah oui. Mais il est devenu con. Je sais pas, Ça va ? T'as consommé quelque chose aujourd'hui ? Quel jour ? Attends, quoi que frérot, je lui ai laissé la voiture, je l'ai laissé partir tout seul. À tout moment, t'as laissé s'acheter de. Un rail de coke. Je sais pas. Un tranquillisant, je pense. Je sais pas, frère. D'ours, un tranquillisant d'ours. Wesh. Il s'est passé quoi Ah, il a peut-être les couilles vides. Et à l'époque, quand il venait de Chalon, il avait toujours les couilles pleines. Je t'ai dit, c'est depuis qu'il a rencontré des escortes. N'importe quoi. Putain, allez, frère, moi je me rappelle, frérot, sur Discord. Qu'est-ce qu'il y a ? Il t'avait dit quoi ? Il t'avait dit nique ta mère sur Discord. T'avais dit, je fais Chalon, Nice, avec ma voiture, je t'éclate la gueule. Eh, il a 2 cm de toi, il t'insulte ta mère, tu fais rien, frère. C'est dingue, frère. Désolé. Tu veux me sucer en live ? Non. Ça va pas à la tête ou quoi ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi il se fait ? Bah, vas-y, mais prends-la avec toi, ta putain de clope électrique, frère. Il se lève, Frérot, c'est un truc de fou. À chaque fois que tu vas vouloir faire une taf, tu vas te lever. Prends-la avec toi. Ou mets-la sur le bureau, je sais pas, fais un truc, frère. À chaque fois, il se lève. Virez-le. Ah, il faut que j'ai une discussion avec lui. Tu cherches, tu vas où ? Là, à droite. Hein ? Il répond même plus. Ouais. Il a plus de testostérone. Il a du CBD, mais non. N'importe quoi, je suis une boîte sale. Tu vois pas, Owen, il est amoureux. Bah, amoureux qui ? Je suis pas. T'es amoureux de JP. C'est le mariage. C'est depuis qu'on a annoncé que t'allais te marier avec lui. Mais n'importe quoi. Si. Si. Les gars, je reconnais un mec qui tombe amoureux, il veut pas faire du mal à l'homme qu'il aime. Mais n'importe quoi. Bah frérot. Quoi ? Je veux pas les mots là. Ouais, bah t'as rien à voir. Qu'est-ce que j'ai à dire ? Donne leur un instant chacun, bande leur les putains de yeux et fais leur fight au milieu de la pièce. Voilà, fight. Les prends pas. Putain de coussin, bande de PNJ de merde. JP, ta mère, je la baise. Et Koudou, ton père, je le. Wow. Avec ta vivante de fils de pute, on est en rigueur. Ok. Ouais, et du coup, c'est quoi que t'allais dire là ? Putain. Bon, je veux dire, c'est quoi le problème ? Ils peuvent fumer. Enlève la cigarette et même. Eh oui, c'est vrai. Tu sais que c'est vrai ? Tu sais que t'as entièrement raison, je crois. C'est vrai que pendant le. Arrête. C'est pendant le. Le Chain It Together. Ils pouvaient pas fumer. Et les deux, ils étaient comme des bombes. C'est vrai. Ouais, bah t'as rien à foutre. C'est vrai. Owen, la seule façon de réveiller cette haine, nous la connaissons tous. Il faut que tu mêles une meuf entre les deux, fais jouer les contacts pour trouver. Par contre, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, les gars. À chaque fois qu'il y a une meuf, tout est différent. Dès qu'il y a un live avec une meuf, ils ont un sourire de malade. Dès qu'il y a une meuf entre eux, là, il y a la haine, elle est décuplée. La haine. Mais arrête, Safine, bordel de merde, tu commences à me casser les couilles. Ah, c'est bon, là, je commence à me casser les couilles. Putain, il s'énerve. Ouais, je m'énerve, ouais.
sur les lives pour me faire martyriser. JP ! Quoi ? Je veux pas les mots là ! Ouais, bah j'ai rien à foutre. Koudou n'est plus agressif car il se vide trop les baloches. Sinon, c'est quand que la radio libre commence. Vise les boules. JP ! J'ai pas entendu le temps, elle a dit quoi ? Je veux pas les mots là ! Ouais, bah j'ai rien à foutre. Tu le vires, tu lui fais un licenciement pour faute grave avec ton comptable et voilà, c'est réglé. Mais c'est bien, si vous voulez me virer, virez-moi, je m'en bats les couilles. Oh ouais, sans chance. Quoi ? Vas-y, vas-y ! Ouais, d'accord, rien à foutre. JP, quand tu reviens sur mes espaces, sucer ton cousin le trans à Saint-Tex. Moi, tu fais des flèches dessus et tout. Ouais. Putain. C'est un truc de fou, c'est. JP ! Quoi ? Je veux pas les mots là ! Ouais, d'accord, rien à foutre. Putain. Ça casse ses couilles contre un squelette trisomique. Ouais, c'est plus l'histoire de Madison. Mais non, ça date de plus longtemps, les gars. Ça date de plus longtemps, les gars. C'est quand elle a commencé à goûter à tout ce qui est escort et tout, les gars. Je vous dis. Quoi ? Je veux pas les mots là ! Ouais, bah j'ai rien à foutre. L'acharnement devient violent sur Koudou et JP. Owen et Saf toujours au calme. Zéro pression à subir. Sérieux, Koudou n'aille pas que ici pour souffrir. Pour vraie réaction de Koudou, refait un chain de together. Zéro pression, tu veux quelle pression tu veux, je comprends pas, c'est de la... J'anime, personne ne peut mettre la pression, j'anime. C'est impossible. Quel acharnement, il a pris 2-3 coups de gant dans la tête. Clairement, je suis là qui a la plus grosse blessure de la soirée, c'est Safine. Il a un trou dans le tibia. Il y a une bosse. Regarde, je sais. Je dis simplement qu'il y a une bosse. Et puis moi on me fait ça, je me lève, je frappe. Vas-y, arrête, voilà. Safine, arrête. Voilà, arrête, moi on me fait ça une fois, je me lève. Arrête, putain de merde. Voilà. Moi je fais ça, ouais. Moi je fais ça, je me lève une fois, je le Safine, je le chauffe, je le tords en mille, c'est fini. C'est tout. Mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Bon, moi quand on m'insulte ma mère, je perds pas mes couilles. Moi je perds pas mes couilles. Tout simplement. JP ! Quoi ? Je veux pas les mots là ! Ouais, bah j'ai rien à foutre. Ouais, t'as pas le mur sur les matos, respecte le matos, respecte le matos. Lui non, ça fait que tu m'as mouillé. Du local, tu sers plus à rien si tu animes pas un minimum et JP, fais pas le malin, t'es pas mieux. Moi j'ai rien dit. Faites monter Nawel. Et ouais, les gars, je vais faire monter une meuf tout de suite, ça va. Ouais, c'est ça. Quand tu fais des waf, waf, waf à des meufs ou. C'est cool, t'aurais pas dû me contacter, Non, là, oh là, dans la tête. Oh, comment dans la tête. Vas-y, explique moi la gueule si tu veux. Frappe JP pour passer à vous. Vas-y. Ça va te faire du bien. Si t'as besoin de décompresser, il est là, il encaisse. Ah. Oh, c'est quoi? Orage. Orage. Hein, Koudou? Ah non, c'est pas l'orage, c'est Koudou qui est en train de s'énerver. Tous les éléments, là il est en train d'appeler tous les éléments. Ah, il va s'énerver. Tu vois, quand il a cette haine là, s'il trempe dedans, t'es mort. Tu pourras rien faire. Ah, tu vois, là c'est pas le tonnerre, c'est Koudou qui grogne. C'est bien. Voilà. Non, coupure de. Non, ça va, ça tient les gars, ça tient. Ouais, arrête de faire l'aveugle, fais un sparring. Mais je vais pas faire un sparring, les gars. Quoi ? Ça sert à rien de faire un sparring. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Les gars, vous entendez ce que j'entends dans le clip ? C'est quoi ce bordel ? Tu sais ce que tu dis tout le temps. Ça va, moi, c'est une grosse pute. Ouais, droit dans les yeux à lui. Bah, moi. Grosse pute. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi elle aussi ? Il se chie dessus littéralement. C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Quoi ? Quand tu parles, tu te chies dessus. Bravo, JP et Koudou. Vous avez raison. Restez calmes et ils arrêteront de vous harceler. Ça ne sert plus à rien puisque vous pétez pas un plomb. Force à vous, JP et Koudou. Tu me connais mal, hein. Tu me connais très très mal, j'avais pas besoin de ça, je crois. J'ai vraiment pas besoin de ça. Il suffit de tremper petit biscuit dans du lait, et c'est une explosion de saveur et de joie. Arrête, Safine. Il est où ? Allez, Safine, viens, on fait monter les gens. Je veux pas les mots là ! Ouais, bah t'as rien à foutre. Pressing constant sur Koudou jusqu'à ce qu'il tabasse JP. C'est le programme. Arrête, putain! Oh! Oh! Je veux pas les mots là! Ouais, la tête de ma mère, tu commences à me prendre la tête! Oh! Le matos! De quoi le matos? Le matos! Le daron qui s'est barré. Le matos! C'est bon, calme-toi, assieds-toi maintenant! En fait, assieds-toi, calme-toi! Tranquille, votre truc maintenant! Bah, assieds-toi, calme-toi! Putain,
Putain, Jackie, laisse-moi sortir, s'il te plaît. Ah, c'est toi, calme-toi. Ouais, c'est toi. Augmente, tu veux pas y faire le mec. Les escorts, attention, ça va arriver en pleine gueule, je te le dis. Ouais. Prépare-toi, ça va arriver en pleine gueule. Vas-y. Attention, ça arrive, hein. Vas-y, arrête, ça pue. Quoi? Justement, tu vas. Oh, putain, oh, Hasta luego. Ouais, c'est ça que tu veux. Hasta luego. C'est ça que tu veux. Allez.